Non, moi, c'est Dr. Célucien L. Joseph. Moi, c'est professeur à l'université, professeur anglais avec littérature dans l'université Indian University College qui est située aux États-Unis, dans l'État Floride. Jodi a, dans Trifoumi, nous gagnons une occasion très spéciale. Nous connaissons jodi a, c'est anniversaire la mort fondateur la nation haïtienne et Jean-Jacques Dessalines. Et nous avons invité très spécial un économiste et puis un intellectuel qui pensait sous affaires Haïti, sous cause Haïti, dans différents sujets, soit qu'il a parlé de histoire Haïti, n'a parlé de théorie, n'a parlé des affaires économiques, des affaires finances, ou bien des affaires culturelles. Je dis, c'est un plaisir pour nous capables d'introduire Dr. Boaz Anglade, son sujet qui est très, très fascinant. Non sujet, hein, c'est Haïti pas exceptionnel. Bon, non, ça que Dr. Anglade pas le fait, bon, nous quelques un petit résumé très court. Docteur Anglade pas révisiter travail qu'il fait sous sujet ça, par exemple par Michel Touyau, Nadège Clitande, et puis lui-même que il écrit sous sujet ça. Il pas bon un résumé et il pas parler comment que nous capables réinventer et réapproprier les termes ou bien concepts nouveaux exceptionnalisme haïtien comme moyen pour nous capables affirmer la juste place Haïti occupée dans l'histoire du monde, ça nouveau l'histoire globale. Même avant que nous bah Dr. Anglade en microphone là, bon, petite introduction du docteur Anglade, qui est-ce que monsieur y est? Bon, monsieur, c'est un bon ami, moi, premièrement. C'est un plaisir pour me capable modérer la présentation, ça. Docteur Anglade fait Haïti et c'est un économiste, ça nous dit ça déjà. Et puis, c'est un consultant pour développement international. Li recevoir doctorat, li PhD, dans économie appliquée de l'Université de Floride, University of Florida, et li gen master degree dans économie, dans University of South Florida, et puis un bachelor degree dans Florida International University. Recherche, monsieur, y inclut développement international et économie agriculture. Les publier dans plusieurs journaux, donc au journal Haitian Studies, et puis dans l'autre journal académique, et enseigner économie avec langue créole dans différentes institutions aux États-Unis. Par exemple, que Dr. Anglade publié deux livres. Un premier, c'est différents discours à Dr. Aristide, Jean-Médard Aristide, de Bali, excusez-moi, pendant le moment présidentiel, ni en créole, ni en français. C'est un host de un podcast qui réunit chaque semaine, les Chita causés. Côté que l'invité intellectuel haïtien pour qu'à discuter challenge et solution pour problème haïtien. Bon, nous voulons dire tout en minuyo, merci en pile. Oui, nous voulons dire en minuyo, merci en pile. Et nous disons merci pour tout temps ça que vous mettez à côté pour capable suivre conférence ça. Bon, n'a pas débuté.
Docteur Bourras Anglade a bon une sorte de structure pour docteur docteur Anglade fin parler. Nous pourrons prendre question de monde qui a posé question et puis que moi-même pour faire petit dialogue ensemble avec lui sous sujet Haitian exceptionalism. OK, bienvenue docteur Anglade. Notre fourmi. Oui, allô, bon, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. docteur Anglade, nous bienvenue. Oui, et salut, docteur Joseph, et nous saluons tout le monde qui est là ensemble avec nous sur la plateforme ça. Et tout le monde qui est branché via Zoom, plateforme Zoom, qui a participé avec nous dans la conférence débat ça. Nous saluons tous les amis, tout avec tous les invités. Aussi, mon cap est tendu nous sur Facebook, sur plateforme TripFumi. Et nous remercions tout pour participation. Et nous avons profité de remercier les médias en ligne TripFumi Info qui ont trouvé le nécessaire pour organiser les genre d'activité ça et dans la célébration de la mort de l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Donc, TripFumi a trouvé que jour a pas qu'à passer comme ça, donc il prend initiative pour lui organiser conférence ça et aussi moi remercier docteur Célucien Joseph. C'est un brillant intellectuel qui a fait un travail sérieux dans la diaspora et docteur Joseph écrit plusieurs livres sur littérature haïtienne. Il écrit sur Jacques Roumain, il écrit sur Jean Price-Mars. Et la travail tout qu'on y a là sur un livre sur pensée philosophique et théologique, président Jean-Bertrand Aristide. Donc, merci un peu, Dr. Joseph, pour l'introduction ça. Donc, je pense que genre d'activité ça, yo toujours bon, surtout dans une date historique comme 17 octobre, côté haïtien qui en Haïti, ensemble avec les haïtiens qui sont dans la diaspora, yo ka réunis ensemble pour nous réfléchir sur Haïti et puis pour nous brasser l'idée ensemble. Donc, je souhaite TripFumi qui a toujours organisé genre de chita ensemble, ça, genre d'événement ça. Donc, je dis à nous pour partager un sujet qui est très important, nous pour présenter un sujet très important, et qui c'est l'exceptionnalisme haïtien. Donc, et avant tout, je vais laisser partager l'écran. Présentation. Donc, nous parlons très bien. Oui, Noël. Très bien. OK, d'accord. Donc, nous allons parler d'un sujet qui est très important, qui c'est l'exceptionnalisme haïtien. Donc, Jean que nous allons faire l'IA, comme le docteur Joseph t'a dit, nous allons faire une présentation pour quelques minutes. Et après ça, on a fait place à lui-même encore, qui va animer une séance de débat ou commentaires et questions, et nous t'aimons et plus de monde possible participer pour nous capables de bailler opinion nous sur le sujet ça et puis pour nous qui gens que nous well, qui ça nous pense tout. Donc réflexion ça lui-même c'est les sorties à partir de un article qui m'a été publié dans commencement année en parlant de bon de juin 2020. Article a été paraître sur plusieurs médias en ligne et il était bien recevoir tout par un pile monde. Il était paraître dans Le Grand Soir, il paraît dans Mondialisation et aussi dans section Perspective, un journal qui est bien connu qui relaie Haïti Liberté. Et cet article-là, c'était l'exceptionnalisme haïtien. Donc, pour nous entrer dans le sujet, qui ça me capable de dire? Je suis capable de dire que en Haïti, il y a une parole que les gens aiment répéter en pile. Ils aiment dire que Haïti est un pays spécial. Ou bien Haïti son pays qui est particulier. Et mais là, on dit ça souvent, ce n'est pas non sens positif. Parce que, en pile fois, les gens qui disent que Haïti spécial, là, ou bien Haïti son pays qui est particulier, ils veulent montrer que Haïti, ce n'est pas un pays qui est ordinaire. Donc, Haïti, ce n'est pas un pays qui est même genre avec tout l'autre pays. C'est son façon pour le dire tout que et théorie des fois qui marche dans l'autre pays, pas marcher en Haïti. Ou bien théorie qui marchait, qui pas marchait dans l'autre pays, c'est eux-mêmes qui marchent en Haïti. Donc, et
Haïti pays spécial ou bien Haïti pays particulier ou bien Haïti pays d'exception. Ça, c'est son terme souvent que mon utilisé pour y parler de Haïti. Donc, dans les années 1980, il y a un grand intellectuel haïtien qui est Michel Wolf Touyau. Monsieur t'a réfléchi sur Haïti et il t'a écrit sur Haïti tout. Donc, dans l'étude, li, Touyau vient de voir que il y a un thème qui paraît en pile, dans, et ça n'est capable de dire dans le livre que, qui écrit sur Haïti pendant le 19e siècle. Donc, tout le monde a gardé le livre ça et il a appelé. Il voit qu'il y a un pile de fois dans le livre ça, il y a montré un Haïti qui est drôle. Ça veut dire que le monde a décrit un Haïti qui est drôle, un Haïti qui est bizarre, un Haïti qui n'a pas fait sens, un Haïti qui n'est pas tant que tout l'autre côté. En d'autres termes, il y a un Haïti qui est spécial, il y a un Haïti qui est une exception. Donc, Michel Touyau lui-même, il lui popularise le thème ça, le thème qui est l'exceptionnalisme haïtien, pour parler de façon de penser ça. Une façon de penser qui dit que Haïti n'est pas ordinaire, Haïti son cas spécial, Haïti son cas qui est particulier. Donc, Michel Touyau lui-même l'a réfléchi et puis il a dit ça en nom, il a l'exceptionnalisme haïtien. Donc, nous venons à tout que et tout yo vin écrit un article que j'en nous capable boire dans PowerPoint là que tout yo c'est un anthropologue historien et auteur aussi et il travaille dans l'université de Chicago et puis il écrit un article très très fameux qui relait The Odd and the Ordinary qui veut dire le bizarre et l'ordinaire. Dans l'article ça tout yo lui-même il parlait de problème ça que gens que moun wè Haïti tan kon côté qui paraît tan kon exception yon côté qui particulier mais problème nan tout yo dit que c'est pas le fait que yo dit que Haïti lui-même li particulier parce que tout pays gon caractère particulier quand même mais c'est là que yo pesé sous ça en pile yo pesé sous idée ça que yo dit que à Haïti c'est un cas particulier donc et dans tête en pile monde que Haïti pas fait sens Haïti son pays qui vraiment est particulier son pays qui pas tant que même gens et tout l'autre pays et moi-même moi travaille dans domaine développement international moi capable dire que l'idée ça que Haïti c'est un cas spécial là nous elle en pile fois dans tête monde qui a implémenté projet en Haïti des fois monde n'en vient avec une idée mais li gétan dit dans tête li que faut qu'il adapte la contexte haïtien parce que ça que t'as pas le marché dans l'autre pays, il pas pour marcher en Haïti. Donc pour finir avec article là, tout yo fait comprendre que les n'a pensé avec Haïti en tant que un côté qui unique, un côté qui particulier et les nous dit ça. Non façon ça nous voulait dire c'est que c'est un pays pas naturel, c'est un pays qui bizarre, c'est un pays qui inexplicable. Donc Touyau t'a trouvé façon de penser ça ou bien mentalité ça tant qu'il y a un bagage qui fait Haïti plus tort que lui fait Haïti du bien. Donc puis devant nous pas parler en détail qui ça fait Touyau t'a pensé que l'idée ça il fait Haïti plus tort que le fait le bien mais Touyau pas penser son bon bagage pour décrire Haïti tant qu'il y a un cas particulier ou bien il y a un côté qui tellement drôle que et rien pas marché ou bien son côté qui a pas qui pas tant que tout l'autre côté. Et il y a un pile l'autre intellectuel haïtien tout et qui suivent même réflexion Michel Touyau et puis yo décrit tout dans façon pa yo ou bien yo gardé exceptionnalisme haïtien dans l'autre angle. Donc nous pas gétan wè tout article ça yo en général mais et penseur ça yo détaillé qui gens yo wè l'idée que Haïti c'est une exception. Et puis tout, yo détaillé tout et qui est-ce que yo d'accord avec l'idée ça ou bien est-ce que yo pas d'accord ensemble avec lui. Donc nous gagne Asseline Charles qui écrit un très bel article sur l'exceptionnalisme haïtien et dans Caraïbes là. Nous gagne Michael Dash qui écrit sur l'exceptionnalisme haïtien tout et nous gagne Nadège Clitande qui aussi écrit sur l'exceptionnalisme haïtien. Mais on t'a rien plus parler sur réflexion Nadège Clitande t'a fait
sur affaires exceptionnalistes haïtiennes. Donc, Nadège Clitande, c'est un professeur aussi et en études africaines, Université de Californie à Berkeley. Et elle a écrit un texte qui relate Haitian Exceptionalism in the Caribbean and the Project of Rebuilding Haiti. Donc, dans le texte lui-même, Nadège Clitande t'a gardé l'exceptionnalisme haïtien ou bien l'idée ça que Haïti c'est un place, c'est un côté qui exceptionnel, c'est un côté qui spécial, c'est un côté qui particulier, qui pas même genre avec tout l'autre côté. Nadège Clitande gardé idée ça dans un contexte post-séisme ou bien après tremblement de terre 2010 là. Nous songez que qui Jean pendant tremblement de terre là Haïti te paraît sur plusieurs écrans à travers le monde. Donc, en pile, monde a fait commentaire ou bien essayé de comprendre Haïti. Et il y a deux termes que les journalistes étrangers ont utilisé lorsqu'ils ont parlé de Haïti dans le cadre et tremblement de terre, ça, pendant qu'ils ont gardé l'image. Ça. En pile, fois, ils ont dit que Haïti, c'est le pays qui est plus pauvre dans l'hémisphère occidental. Vous entendez ça en pile? Ou bien ou dit peuple haïtien c'est un peuple qui est résilient. OK, ça veut dire qui ça? Ça veut dire c'est un peuple qui a résisté à souffrance. Donc dans l'article que Nadège Clitande décrit, il fait comprendre que façon de penser ça, façon de penser ça que Haïti son peuple haïtien son peuple qui est résilient pour lui-même c'est une forme de exceptionnalisme haïtien. C'est une façon pour dire que Haïti a une capacité unique pour lui adapter à souffrance, selon Nadège Clitande. Donc, pour lui-même, même Jean avec Trouillot, lui voyait un problème dans le type de discours, ça. Dans le discours que Haïti son peuple haïtien, son peuple qui est résilient, lui voyait un problème là. Pour lui-même, là où dit peuple haïtien résilient, ce n'est pas un compliment. Là où on dit que, waouh, peuple ça résilient, lui particulier, lui spécial, dans le sens que peuple là, lui a tendance et pour lui survivre ou bien et les toute l'autre nation t'a éliminé lui-même il a toujours donc il est résilient et professeur Clitande pose cette question il dit qui ça veut dire même les ou dit Haïti résilient est-ce que c'est un compliment est-ce que ça veut dire que peuple haïtien spécial dans le sens que il a une capacité pour souffrir plus passer l'autre peuple il pose cette question tout il dit est-ce que c'est parce que y a une capacité pour vivre sans desserrer des infrastructures de base. Est-ce que son bagage que mon tas supposé fier de lui pour dire que moins résilient dans sens ça. Donc et Clitande lui-même lui vient ouais dans utilisation mot résilience là, une façon pour normaliser desserrer des bagages ou pas supposé même accepter. Par exemple pauvreté avec misère. Pauvreté avec misère pas douce, c'est pas bagage que mon tas supposé accepter. Mais l'ENAP dit que nous résilients ou bien Haïti résilient, est-ce que, il pose cette question, est-ce que c'est pas une façon comme si pour normaliser des séries de bagailles qui n'est pas quand même acceptable même? Et non, sans tout, Clitande demande de tête, est-ce que c'est pas une façon tout pour nous glorifier l'oppression? Parce que, est-ce que c'est pas une façon pour nous dire que nous acceptons l'oppression? Pour un monde résilient, il faut qu'il y ait un monde qui a opprimé. Donc, c'est comme si Mdadou, son monde qui a un pied sous coule. Mais elle pas fait rien pour le retirer pied mon dans ce coup là mais lui contenter pour dire que bon OK mon za gien pied sous coup mais et grâce à Dieu me pas mourir grâce à Dieu me là toujours donc moi résilient et après ça m'ta remettant et quelques réflexions de nous-mêmes cap suivre nous là sur qui ça nous penser de réflexion ça et qui ça veut dire pour nous les on monde dit que peuple haïtien c'est un peuple qui résilient que dit donc et on va tourner sur Trouillot pour me discuter sur qui raison qui fait tout yo te penser que genre de discours ça yo les n'a dit que Haïti son côté qui spécial son côté qui particulier qui gon exception qui pas même genre avec toute l'autre nation on va tourner sur tout yo pour me capable faire nous voir que et qui pour qui raison tout yo que te penser que ça c'est pas un bon bagage. Trouillot t'a invité nous dans texte qu'il t'a écrit pour nous repenser discours ça pour nous repenser discours à fait peuple haïtien c'est un peuple particulier peuple haïtien c'est une exception
Haïti son pays spécial que lié. Tout yo te invite nous pour nous dépasser type de pensée ça yo. Et li te vini avec trois gros problèmes que li wè na fait Haïti son pays spécial ça ou bien Haïti son pays exceptionnel ça. Tout yo dit comme ça, premièrement, lè nous dit que Haïti son pays spécial ou bien Haïti son pays particulier. Donc, et ça veut dire qui ça? Ça veut dire que ou pas ta même besoin analyser Haïti. Ou pas même besoin comparer Haïti. Ça veut dire que modèle qui marche dans l'autre pays yo, ou pas même besoin venir essayer yo en Haïti. Alors que Haïti pas aussi drôle que ça, Haïti pas aussi bizarre. Yon haïtien papi drôle que yon français, yon haïtien papi drôle que yon américain, yon haïtien papi drôle que yon mexicain. Haïtien li levé, la travail, li prend son petit l'île, mène petit l'école, même gens avec tout l'autre peuple. Donc haïtien vivent yon vie qui est très ordinaire même j'ai avec toute l'autre nation. Donc pas de rien de particulier en Haïti qui te ka empêcher développement fait même gens ça fait dans tout l'autre pays. Pas de rien de particulier en Haïti qui t'a empêché ça fait. Donc pour tout yo genre de discours ça yo t'a parlé de Haïti exceptionnel ou bien Haïti et son pays pas même j'ai avec tout l'autre pays. Donc genre de mentalité ça yo pour tout yo li mette Haïti dans position que côté nous pas besoin même essayer faire des séries de réformes même pour nous sortir dans ça nous parce que nous dans un contexte qui particulier ça veut dire que dans même dans domaine recherche tout et nous pas même besoin étudier Haïti pour nous voir qui avancement qui t'a fait parce que si chercheur la venir avec l'idée que tout ça qui applicable dans notre pays, li pa applicable en Haïti. Donc là tout yo li même li vin wè que ça li crée un problème avec l'idée ça que Haïti est particulier ou bien Haïti pas même genre avec l'autre pays, Haïti spécial. Et puis deuxième raison en tout tout yo dit comme ça que l'idée ça que Haïti exceptionnel là les qu'ou accepter li c'est une façon tout pour désengager responsabilité puissance occidentale dans condition que nous vivons là. Par exemple, une raison que fait nous côté nous là, c'est conséquence esclavage, c'est conséquence colonialisme, c'est conséquence néocolonialisme. Donc, l'on dit que Haïti c'est un côté qui particulier, c'est un côté qui à part, c'est un pays qui spécial. Donc c'est d'où dit que gros puissance yo, yo pa gen aucune responsabilité dans sa k'ap fèt la. Ça veut dire que son façon pour dire que raison que fait nous comme ça, c'est parce que nous particulièrement drôle. Donc moun pa ta même supposé attendre pour nous faire progrès. Les autres on a fait progrès parce que nous coller là parce que nous spécial, nous particulier dans sens ça. Et puis troisième raison que fait trou yo penser que et mentalité ça ou bien façon de penser ça c'est un problème c'est parce que li wèl tout tant qu'il y a une forme de racisme dans qui sens li son forme de racisme donc l'on dit que Haïti particulier Haïti spécial son pays spécial non façon c'est d'où dit que gagnon bagay nan haïtien qui fait le pas naturel gon bagay nan haïtien qui fait le bizarre qui fait toujours une exception. Les qu'on accepte terme ça ou dit que Haïti son pays spécial, son pays qui particulier. Et dans un article yo tout yo ba yon exemple, il raconte une histoire. Il dit comme ça que dans les années 90 et pendant période coup d'état, gagnen yon et gros autorité américain qui était connait Haïti très bien parce qu'elle était travaille sur Haïti, sur domaine Haïti. Donc, il rencontré avec un premier ministre haïtien. Et puis il a parlé de Haïti. Et puis autorité américaine dit ah mon cher premier ministre et on pas ka fin comprendre haïtien parce que des fois ça fait sens pour nous pas fait sens pour haïtien. Ça pas fait sens pour nous c'est lui-même qui fait sens pour haïtien. Et aider me comprendre ça parce que on pas ka fin comprendre. Laisse ça et premier ministre l'en sourit. Et puis il dit mon cher Sodia, exactement c'est ça. Parce que nous pas parler de monde qui rationnel.
n'a parlé de série de monde qui irrationnel. Ça un premier ministre haïtien qui a dit ça et selon histoire que Michel Touyau t'a raconté. Donc ça veut dire que c'est des série de monde qui pas prend décision qui n'a avantage. Donc Touyau t'a bâti histoire ça pour faire ouais que derrière discours Haïti c'est un pays d'exception hein, où joindre tout où je n'ont pas qu'être l'idée. Et une là-dedans yo c'est que gen yon bagay nan nou ki fè nou particulièrement bizarre et puis ki fè nou irrationnel et gens de discours sa yo nou habitué ensemble avec yo nou tande yo déjà c'est un discours raciste que lié parce que pa gen rien de irrationnel nan yon haïtien tout pèp sou la terre rationnel tout pèp sou la terre vle sa ki pi bon pou yo pa gen rien de irrationnel nan haïtien donc et toute raison sa yo ki fè tout yo penser que discours ça de yon Haïti qui exceptionnel yon Haïti qui son cas particulier que en pile mon a répété et trouyoté ouais que li fait Haïti plus mal que li fait Haïti bien donc et dans contexte ça année passée pendant que m'ta réfléchi et puis m'ta li sou sujet ça et l'exceptionnalisme haïtien m'ta commencé à penser qui gens que nous capable changer discours ça qui gens que nous capable réorienter terme ça exceptionnalisme haïtien balion l'autre sens parce que l'on mentionne terme ça dans étude littéraire haïtienne gens que me montrer nous là c'est pas un bagage qui positif donc ça t'a poussé me réfléchir sur un autre type de exceptionnalisme dans région qui c'est l'exceptionnalisme américain exceptionnalisme américain lui-même c'est un terme qui est très populaire aux États-Unis. Donc nous pral font ti parler sous li, nous pral wè ki jan que et nan tête et américain l'a mentionné exceptionnalisme américain qui sa vle di. Donc les américains a parlé de exceptionnalisme américain. Donc c'est une doctrine que li. Son doctrine nan sens que moun ki kwè nan doctrine ça, y a expliqué pou yo di que américains sont peuple choisi. Américain c'est un peuple qui gagne une mission spéciale et c'est un peuple qui même gagne une mission divine même pour l'hypothé démocratie à civilisation occidentale by respect dans monde là. Donc monde qui croit dans doctrine exceptionnalisme américain ou après il y a vle faut comprendre que États-Unis c'est côté qui gagne plus belle institution yo. C'est côté qui gagne plus belle constitution, c'est côté qui gagne plus belle valeur démocratique et yo pensé que c'est rôle yo pour sauver le monde et c'est rôle yo pour faire reste monde l'assemblée à yo. Donc ça c'est doctrine exceptionnaliste américain et chaque élection aux États-Unis tout capable voir ça ou capable voir que pendant débat yo en pile fois yo mande candidat yo question ça yo mande yo et qui position sur exceptionnalisme américain est-ce qu'on croit là-dedans ou bien est-ce qu'on pas croit là-dedans la difficile pour joindre un candidat à la présidence américain qui pral dire que il pas croit dans exceptionnalisme américain et une plus belle illustration doctrine ça c'est un tableau que m'pral montrer nous là c'est un tableau petit tableau c'est le progrès américain et yo te peint tableau ça en 1872 le progrès américain et dans tableau ça on capable voir une femme blanche une femme qui a un aspect angélique tant comme monde qui saute dans ciel et puis li gon bible dans mel et puis l'a sorti de l'est l'a avancé vers l'ouest et puis derrière dame ça on voit des américains blancs et puis on voit rail train on voit ligne téléphonique ou apwe l'intelligram, ou apwe belkay, et on ki bon bel bagay. Et puis, la pa avancé de l'est à l'ouest. Donc, sa tableau ça veut dire, c'est que la avancé pour l'hypothèse la civilisation by indien yo, qui te habité sous terre ça avant que blanc européen yo te vini même. Mais y a pote civilisation by yo, parce qu'ils ont été considérés comme des sauvages. Donc, ou capable ouais que dame n'a pas avancé avec un pile fierté ou bien elle est très confidente et puis elle n'a pas avancé et puis il y a monde qui de elle et pour ouais indien eux même il a couru parce que
et il y a pas avancé, il a pas campé dans route yo. Donc tableau ça pour moi résumer ça qui relé et concept ça ou bien doctrine ça qui relé exceptionnalisme américain. Donc c'est une doctrine qui l'a depuis les années 1800 et jusqu'à et présent et son doctrine qui l'a tout et dernier président américain et Barack Obama il était recevoir un prix Nobel pour la paix en 2009 et c'est un monde tout qui était paraît bon très progressiste surtout dans façon que il était ouais relation États-Unis ensemble avec l'autre pays yo. Mais malgré ça tout c'est premier président américain qui était plus parlé sous doctrine ça que relé exceptionnaliste américain et m'invite nous sur YouTube pour nous rétiger dans plusieurs occasions président Obama a dit que gens que lui-même comme si dans toute âme ni li croit dans exceptionnalisme américain et c'est sous base ça tout et que en 2013 américain ont fait une attaque sur Syrie et dans discours que président Obama te bail il te déclaré que une raison qui fait il va faire intervention en Syrie c'est parce que c'est à cause de l'exceptionnalisme américain c'est parce que li croit dans exceptionnalisme américain que États-Unis sont pays qui exceptionnel donc c'est Wallio où yo essayer mettre la paix et rentrer tout côté pour mettre l'ordre même les des fois yo pas invité yo donc dans contexte ça et on t'a réfléchi sur exceptionnalisme américain et l'exceptionnalisme haïtien. Et pendant que m'a fait réflexion ça yo, on t'a pensé de qui gens que Jean Touyo t'est encouragé nous, qui gens nous capable repenser thème ça, thème exceptionnalisme américain. Et non, qui gens capable repenser thème exceptionnalisme haïtien. Donc moi fait réflexion ça, moi dit si américain a déclaré texte exceptionnel pour raison que nous société là yo eh bien l'exceptionnalisme haïtien ka vle di yon l'autre bagaille tout ça veut dire l'exceptionnalisme haïtien ka vle di yon bagaille qui pi positif nous ka commencer imaginer thème ça exceptionnalisme haïtien tant kou l'idée que Haïti c'est yon pays qui spécial non parce que li drôle ou bien li incompréhensible ou bien li bizarre ou bien l'étrange mais parce que li occupe yon place spéciale parmi toute l'autre nation yo. Donc non sens c'est Wall Haïti et ses missions li tout et ses destinées li tout pour défendre tout peuple sous la terre qui opprimé. Donc nous ka essayer comprendre l'exceptionnalisme haïtien dans sens ça par rapport avec l'exceptionnalisme américain. Donc ça qui est intéressant c'est que l'idée ça de yon Haïti exceptionnel li pas chita sur une base supériorité et de Haïti par rapport avec l'autre nation li pas chita sur une base que Haïti dominait l'autre nation mais plutôt li chita sur une vocation ou bien un appel humaniste qui mandé pour nous sympathiser avec moun kap souffri à travers le monde donc l'idée ça de yon et Haïti exceptionnel c'est l'idée que c'est un pays qui a une vocation spéciale pour lui camper en face tout gros bourreau yo pour défendre liberté tout peuple qui sous la terre c'est un moyen pour contrecarrer exceptionnalisme haïtien dans sens négatif là c'est un moyen pour réapproprier terme exceptionnalisme haïtien et il y a pile et personnages historiques et des écrivains des penseurs qui t'ai écrit sous idée ça tout et malgré pas utiliser terme exceptionnalisme haïtien mais grand pile et personnages historiques écrivains qui t'ai pensé sous idée ça de un Haïti exceptionnel de un Haïti qui gagne une mission spéciale pour capable défendre et peuple qui opprimé à travers le monde par exemple dans monde qui t'ai fait penser ça yo n'a joindre Jean-Jacques Dessalines et après l'indépendance, il te dit que j'ai vengé l'Amérique, j'ai vengé la race, en parlant de la race noire. Donc, non sens, Jean-Jacques Dessalines t'a dit que l'Itéwel t'a pris une responsabilité pour Haïti prendre devant, pour lui venger la race noire ou bien pour lui camper, pour lui défendre la race noire.
ou gagne tout et baron de Vasti qui était secrétaire et roi Christophe dans le nord l'idée qu'on livrerait le système colonial dévoilé la donne lui dit grand Dieu il dit à la grand que au grand parce que c'est un bon esclave ou utilisé pour montrer puissance ou utilisé pour rendre justice à toute une race en parlant de la race noire donc ça veut dire que baron de Vasti lui-même l'ité ouais nan pèp ayisyen yon yon pèp choisi l'ité ouais nan pèp ayisyen yon yon tankou yon pèp ki gon mission divine pou pote justice pote ki gen justice et antenor firmé tout nan liv kèl te ekri et ki rele de l'égalité de la race humaine et des races humaines et antenor firmé parle de histoire d'Haïti et puis li parle de indépendance Haïti tout comme preuve que selon ça le dit la race noire gagne plus belle capacité que l'autre ratio et dans page 545 de livre ça firmé parlé de Toussaint l'ouverture il parlait de Toussaint l'ouverture comme un souvenir impérissable qui t'a supposé une source d'inspiration pour tout le monde noir sur la terre et puis nous gagne Félix Maurice Leroy qui écrit un poème merci papa Dessalines pour te présenter Dessalines comme et yon moun ki conséquent pour la race noire avec à tout moun ki à travers le monde k'ap goumen contre l'oppression. Li di chaque fois mwen gade yon lot nèg, mwen di merci papa Dessalines. Donc plusieurs écrivains étaient gétan à penser comme ça de yon Haïti exceptionnel de yon Haïti exceptionnel dans sens ça, pas dans sens négatif là, c'est pas dans sens Haïti drôle ou bien Haïti son cas particulier. Mais Haïti a une mission spéciale et pour lui aider ou bien pour lui parler pour tout peuple qui a passé misère, pour tout peuple qui a opprimé sous la terre. Et nous sommes capables de tout à travers l'histoire, dans le passé, Haïti te suivre doctrine ça, plus ou moins. Nous sommes capables de voir que dans la première constitution 1805, il y a un article qui te dit que tout esclave qui pile tête d'Haïti ou supposé libre automatiquement. Donc, Haïti t'est positionné tête li comme un refuge pour tout le monde ou bien pour tout peuple noir à travers le monde qui n'a esclavage. Grand pile esclave noir américain qui t'est voyagé et t'est sauvé qui t'est États-Unis, il était entré en Haïti. Et grand pile esclave tout Jamaïque qui t'est fait même bagala tout, immédiatement qu'on arrive en Haïti ou libre. Ça c'était une article dans la constitution 1850. Nous capable tout et Alexandre Pétion. Alexandre Pétion t'est accompagné Simon Bolivar dans lutte qu'il t'a mené contre espagnol yo. Avec aide Pétion et by Bolivar, Bolivar t'est réussi chasser espagnol yo dans Colombie, Venezuela et Équateur. Yo relé Bolivar dans zone ça le grand libérateur. Donc c'est avec l'aide de Alexandre Pétion. Et Pétion t'est mandé un seul bagage. Pétion t'est dit Bolivar, un seul bagage me besoin faire moins c'est que tout côté qu'on va passer ou éliminer esclavage ou retirer ça et l'esclavage ou abolir. Et nous capable on l'autre exemple tout nous Jean-Pierre Boyer. Jean-Pierre Boyer, l'el temps de que peuple grec là a goumen pour indépendance yo, li écrit un belle lettre pour le montrer soutien yo, soutien Haïti avec peuple grec là. Li promet yo tout que la ba tout soutien que qui possible. Et il y a quelques historiens même qui dit que Boyer était voyé café avec sucre pour la Grèce. Et pour être capable de vendre, pour être capable de jouer à Sécob, pour acheter des armes, pour être capable de continuer à goûter contre le régime d'oppression. Ça. Et en dernier lieu, la photo que nous avons gardée là, c'est une lettre de naturalisation que le gouvernement haïtien a fait quelques juifs qui ont couru pour Hitler dans les années 40. Parce que malgré que Haïti est un pays noir, donc, il était quand même. Haïti était ouvert porte pour juifs ça y est entré pour rejoindre refuge. Donc dans un sens malgré même si que Haïti était un problème pâle, il était toujours positionné tête li tant qu'il un défenseur de la liberté, il était toujours positionné tête li tant qu'il un pays qui cap défendre et monde qui plus faible. Donc et en conclusion, nous pas fini. Et journée jodi a pas d'esclavage encore. Mais toujours il y a une discrimination raciale et toujours nous toujours un mauvais traitement contre moun noir à travers le monde. Donc dans cas ça, on pensait que Haïti pas de rester indifférent
nous ta supposé continuer à tout prix pour nous défendre liberté moun ki que y a opprimé yo à travers le monde. Donc les nous dit que nous spécial ou bien les n'a parlé de et Haïti un pays exceptionnel, les n'a parlé de l'exceptionnalisme haïtien. Même Jean Trouillot a encouragé nous en nous pas penser dans sens que c'est un pays qui drôle, c'est un pays qui est particulier, c'est un pays qui est spécial. Parce que j'aime ça montrer nous dans la présentation là, et si nous lisons l'article où il y a, nous venons voir que c'est un bagage ou bien c'est un discours qui crée plus de problèmes que l'y fait bon bagage pour Haïti. Donc, si nous pensons de l'exceptionnalisme haïtien, nous avons commencé à penser ou bien nous avons réimaginé le thème là. Bien nous ka réapproprié thème nan dans sens pour nous parler de Haïti. C'est un pays qui gon mission spéciale. Haïti c'est un pays qui exceptionnel dans sens que li gen yon vision de l'humanité côté li toujours prêt pour li mettre à côté moun k'ap soufri à travers le monde pour li parler pour yo et pour l'aider autres. Donc nous pa gen assez de ressources militaires, nous pas gagner assez de ressources économiques tout pour nous ta poser des actions. Par exemple, nous avons montré nous là que les que nous te gagne ressources ça yo, nous voyons que Haïti te poser des actions et mais nous gagne ressources diplomatiques, par exemple, nous gagne représentation à l'ONU. Et en pile monde te saisi pour voir que dans mois qui sont passé là yo, pendant que le monde entier t'a demandé justice pour Américain noir ça George Floyd qui était mort dans une façon qui très tragique. En pile monde était saisi puis ouais que le gouvernement Haïti a pas dit rien ou bien pas bailler aucune réponse face à événement ça qui était vraiment atroce. Donc je pense que en termes de politique publique, l'idée ça de un Haïti exceptionnel, l'idée capable de formuler base de politique étrangère pays d'Haïti. Premier bagage là. Et en termes d'action, je pense que dans l'année qui a venu là, on a besoin de plus de leaders conséquents qui ont campé, même Jean Barack Obama a campé pour dire que et toute zone en col dans l'exceptionnalisme américain, nous avons besoin des leaders haïtiens, tout, des jeunes leaders qui ont campé pour dire que vous croyez dans l'idée ça, de Haïti exceptionnel et vous croyez dans grandeur peuple haïtien. Donc c'est ça me te gain pour nous. Merci pour tout le monde qui t'a attendé et n'a passé la parole à docteur Lou qui va le faire suite. Bon, nous dit docteur Anglade, merci pour très belle intervention ça. Bon, pour bien dire, nous avons pile question pour vous docteur Anglade. Ni dans Zoom et aussi dans Facebook, dans page, dans page site là. On a commencé avec nos questions que Billy Seymour posait. Billy écrit qui rôle l'État haïtien dans renforcer exception ça, si n'a basé dans histoire moderne. Ok, bon. Nous t'aimons mes questions yo, mais nous t'aimons mes interventions tout des échanges. Nous voulons tendre de participants retour ça et aux pensées en général. Donc ça me demande Billy, c'est que qui type de exceptionnaliste la parler? Est-ce que c'est exceptionnaliste que tout yo t'es parlé qui dit qu'il pas bon pour Haïti? Est-ce que c'est de ça la parler ou bien de gens que nous proposer pour ta redéfinir terme exceptionnaliste haïtien? Qui type là-dedans? OK. Ah ben, nous avons un commentaire, c'est Eliphet Durosier qui écrit « Pour qui ça, moun qui dit que c'est opposition nous pas travailler avec peuple-là, pour nous montrer peuple-là président fait un erreur dans salle li pas faire au lien plaider mettre moun nan la ri ap craser briser base nan bon m pa kwè question sa gen lié avec un site avec sujet m pa konnen ki so pense docteur
Anglade, sauf plus de commentaires que Oui, parce les... que c'est un commentaire. Oui. Et Bon. c'est mon opinion. OK, on continue. Nous avons Dr. Edlin qui dit, Dr. Boaz, moi j'ai une petite question, s'il vous plaît. Qui est-ce qui t'est venu première fois à concept exceptionnalisme? Est-ce que concept ça a ses jambes dans toute composante li, dans toute dimension li pour nous adapter à Haïti et puis États-Unis? Et bon, terme exceptionnalisme haïtien, monde qui était popularisé, c'était Michel Touyau. Michel Wolf Touyau, anthropologue et professeur à l'université. C'est lui-même qui a popularisé le terme ça, l'exceptionnalisme haïtien. Donc, et j'en ai expliqué dans la présentation, c'est après lecture qu'elle fait pour le voir que, en pile fois, gens que un discours comme si qui n'était pas un genre constant et sur Haïti, qui présentait Haïti comme une exception ou bien comme un côté qui drôle ou bien un côté qui, et même si on projetait qu'à marcher en côté, mais pas qu'à marcher en Haïti. Donc, c'est lui-même qui était venu avec l'idée ça de, et qui était venu avec thème ça, l'exceptionnalisme haïtien. Donc, on m'a demandé dans quel sens que il est capable d'adapter dans plusieurs formes, on peut répondre à la deuxième partie de la question. Oui, deuxième partie. Est-ce que concept plan a ses jambes dans toute composante li, dans toute dimension li pour nous adapter en Haïti et puis États-Unis? Bon, si on a parlé de concept l'exceptionnalisme haïtien, Jean que li défini dans littérature là. Nous capable que li très adapté en Haïti. Dans le sens que Léo dit que Haïti est un pays spécial ou bien Haïti est un pays qui particulier, c'est exactement ça que tout qu'on a critiqué. C'est de ça que mon a parlé. Par exemple, son bagage m'a dit en pile fois, comme si on jeune, par exemple, qui décourage un pays. Alors, quel dit ça que pays a son pays spécial. Oui, ça, le pays a son pays spécial là, c'est dans le sens livre du que son pays qui drôle, son pays qui particulier, son pays qui pas même avec tout l'autre pays. Ça veut dire que côté que yon jeune te ka réussi dans l'autre pays, donc li pa réussi en Haïti. Donc, je pense que l'exceptionnalisme haïtien dans sens ça, c'est un exemple qui très vivant. C'est un exemple qui très vivant côté que nous voyons que en pile fois, même j'en débat un exemple dans contexte développement international. En pile moun, yo kwè nan ça, yo kwè nan l'idée ça que Haïti c'est un côté qui a pas qui particulier. La chose c'est que pour yo conseiller nous ou thème ça ou bien l'idée ça pour nous démarquer nous de lui-même parce que li pensait que l'idée ça ou bien et concept ça ou bien mentalité ça li fait Haïti plus tort que li fait Haïti du bien. OK, très bien, merci. Nous parler dans page Facebook Trifoumi. Pour lire un commentaire, mais son commentaire qui est vraiment intéressant, moi qu'elle finit avec une question. C'est Bétoni Guerrier qui fait commentaire ça. Monsieur dit, est-ce qu'il y a un pays sans respect pour la loi, sans discipline, sans éducation, chaque citoyen, il y a un pays depuis un homme président dans tête li? Li ka fè tout bagay sans respect pour l'autre pouvoir yo, sa ki kon abouti ak diktati, est-ce que tout ça pa rend nou exceptionnel nan façon négative? Ah, ça très intéressant, oui. M'kwè que Dr. Anglade, même avant qu'on commence, m'kwè Nadège Clinton te parlé de deux catégories de exceptionnalisme, li sa li le négatif exceptionnalisme avec positif exceptionnalisme. Et mon commentaire Toby Fayan la li plus parler de aspect négatif là. Est-ce que vous avez quelque commentaire vous voulez faire de ça ou bien que Oui, c'est ça, c'est aspect exceptionnaliste négatif là. Non sens que ça le dit assez vrai que gagner des bagages qui fait ou bien gagner des façons que
nouye, ki kapab kontribye ou bien ki renforse lide sa de Haiti yon peyi eksepsyonel. Men sa ki important, se ke tou yo li menm nan travay ke l te fe a, li di se vre ke Haiti patikulye, l'histoire d'Haïti son histoire qui est vraiment particulière et tout pays particulier dans sens pa yo mais les que ou pesé sous ça comme si toute décision k'ap fait k'ap prend c'est à base de ça que Haïti son pays qui exceptionnel son pays qui a pas son pays qui spécial donc pour yo montrer qui gens que l'idée ça ou bien mentalité ça li ka causer en pile tort et une raison que li dit que ça ka poser en pile tort c'est parce que ça vient tourner comme si m'ta di ou prend Haïti et pour mettre non l'ombrage ou dit que comme si un pays qui exceptionnel comme si un pays qui a pas comme si un pays qui spécial donc ou pas même besoin analyser ou pas même besoin et penser à lui-même ou pas même besoin faire étude la donne parce que son pays que côté en rien pas marché. Donc, pour yote vle que nous démarquer de type de pensée sa yo, de Haïti un pays spécial, parce que pas gen aucune raison pour laquelle yon modèle de développement, en nous dit par exemple, qui te ka travail en Afrique ou bien dans l'autre pays, ou bien dans l'autre région sous-développée, pas gen aucune raison pour yon modèle comme ça pas ta travail en Haïti. Ça veut dire que moun ki kwen nan ide que Haïti spécial ou ben exceptionnel yo ap kwen tout comme ça que bon aucun okay, même besoin essayer parce que pays ça son pays spécial li. Donc tout yo te vle nous démarquer nous de ça démarquer nous de ce type de pensée ça yo que Haïti c'est un terre spécial ou bien un terre particulier côté li pas même genre avec tout l'autre côté parce que depuis nous entrer dans type de pensée ça yo donc ça ka causé nous en pile. Ok, merci, Dr. Glad. Bon, moi, lisons l'autre commentaire sous site Facebook. Là. C'est de Edouard Laurent. Li dit comme ça, exceptionnaliste haïtien, nous te ka di tous ces pays qui portaient la liberté dans le monde. Là. Ok. Quoi que vous faites allusion de ça dans conversation. OK, on nous retourne sous Zaminou. Zaminou yo sous Zoom. Mkwe Events Gauthier dit comme ça. Bonsoir docteur Anglade. Moi félicite ou pour intervention. Assoya. Question c'est est-ce que nous ka rete dans phase de faire histoire ak tem ça pour Haïti que pou ta maintenant pour nous ta mettre main pour Haïti avancer parce que moi ouais toute leader dans pays a plus basé sur histoire pays a que pour yo ta réaliser projet pour pays a. Ah, une question qui très intéressant. Bon oui ça veut dire que Yvens a demandé plus action pour nous pas arrêter pour nous penser à et qui ça l'histoire nous-mêmes qui ça nous t'ai fait dans l'histoire qui ça nous t'ai fait dans le passé donc moi c'est une intervention qui très important c'est vrai nous besoin plus à action mais en même temps tout faut que nous connaît tout côté nous sorti par exemple faut nous connaît qui position nous tout et dans le monde et l'histoire nous tout li très important pour nous faire tirer rappel ça yo pour nous voir que qui mission nous bien qui objectif nous que nous gagnons à travers le monde. Bon, mais en réalité, je pense que c'est vrai, nous besoin plus action dans le sens que pour nous capable et avancer pour plus devant. Mais action en tout l'avenir tout à partir de et une conscience, ça veut dire faut qu'on ait qui est souillé. Faut qu'on ait que qui est qui sont représentés à travers le monde. Donc c'est ça que fait dans fin présentation, me dit que nous besoin d'essayer des leaders qui conséquents, qui comprennent et rôle Haïti dans le monde, qui comprennent ça que fait Haïti exceptionnel
Et c'est à partir de là que vous commencez capable de poser des actions, mais avant que vous ayez conscience dans tout de qui est souillé en tant que peuple. OK, l'heure presque finie. Nous avons 5 minutes. Après, si nous avons 2 à 3 questions. Et Dr. Anglade, bonne nous réponse qui est très précise. Okay. D'accord. Il y a un c'est Katia Joseph dit comme ça que qui relation what is the relationship between Tuyo's silencing concept and his definition of Haitian exceptionalism. Elle dit que qui est-ce que il y a une relation rapport entre concept théorie Michel Rolf Tuyo parler de silencing silencing the past dans même livre qui portait titre concept là et puis exceptionnaliste haïtien. Qui sort de ça, Dr. Anglade? Donc, dans le livre que tu as écrit sur Silence in the Past, qui j'aime être capable de faire en relation avec exceptionnaliste haïtien, c'est que tu as essayé d'expliquer maintenant qui sens que l'exceptionnalisme ou bien pensée ou bien mentalité. Haïti son pays spécial ou bien un pays exceptionnel là, mais dans qui sens que li pas bon ou bien nous t'a supposé démarquer nous de lui-même. L'idée dit comme ça que dès que nous commençons à penser de Haïti comme un côté qui exceptionnel ou bien un côté qui particulier ou bien un côté qui a pas, donc ça que nous fait c'est que nous désengager responsabilité puissance occidentale dans condition que nous y a. Ça veut dire, c'est dit nous dit comme ça que nous, dans la situation que nous y a, c'est parce que nous, c'est un pays qui est particulier, mais c'est pas vraiment parce que gros puissance occidentale, yo même yo gon responsabilité dans ça qui t'est passé. C'est dans ce sens que li parlait de silencing the past. Ça veut dire, c'est comme si Mdadou, ou prend l'histoire et va mettre l'en côté ou pas reconnaître l'histoire pas reconnaître ça qui est passé. C'est dans ce sens ça il dit silence in the past là. Ça veut dire que ou pas vraiment reconnaître responsabilité l'autre nation yo dans condition Haïti qu'on est là. C'est dans ce sens ça me comprendre. Très bien. OK. Nous parler très vite parce que nous avons 3 minutes. OK, docteur Anglade. Billy, m'kwè Billy fait plus clarification de question ça l'était posé là. Billy dit comme ça, est-ce que Haïti pas retiré tête li nan exceptionnalisme positif là Jean Nadège Clinton te dit là l'était fait abstention dans vote pour reconnaître Palestine et puis les Haïti te supporté pour Venezuela de Yona OEA. Billy besoin m'entrer dans politique. Billy me parler de politique. Et oui Billy na conclusion m'te mentionné ça. Moi dit que moi trouvé que et en tant que yon pays qui exceptionnel dans ce sens positif là, yon pays que mission c'est pour lui défendre droit tout peuple qui souffre ou bien tout peuple qui opprimé. On te prend exemple et George Floyd qui était mort en façon drôle et puis gouvernement pas dit rien. Donc deux exemples pour ce bayou là, c'est deux exemples qui concrets tout et côté que vraiment vrai gon bagay k'ap passé dans Moyen-Orient Israël contre Palestine et Haïti pa pran une décision ferme contre ça pour le dire dans qui camp que exactement que et li camper dans camp moun qui opprimé yo et Venezuela tout Haïti te prend décision que en pile moun pa t'attendre que ces décision ça que l'état t'attend. Donc c'est ça que fait me te dire dans conclusion Billy que me pensais que dans année k'ap vini là nous besoin de série de leaders qui plus ferme qui puisse comprendre et exceptionnaliste haïtien qui capable dit tant que président américain Barack Obama te dit que li croit dans concept ça que et pays c'est un pays exceptionnel. Donc nous besoin de série de haïtiens tout qui ca camper qui capable dit que li croit que Haïti son pays exceptionnel et ça va demander tout
pour le capable pour leader ça capable prendre des positions qui gain droit parler dans intérêt gros puissance mondial yo, mais c'est une décision qui capable non seulement bon pour Haïti et puis qui a montré Haïti que nous avons conscience nous connons côté nous sorti et nous connons côté nous là. OK, docteur Anglade, nous parlons pour une dernière question. Bon bien du en pile monde félicité ou pour belle intervention ça et remercie de ce que répondre question yo. Mais nous parlons pour nous pas clôturer avec une question qui que Rose Laguerre mandé qui est très important. Il dit docteur Anglade, thank you for the presentation. We imagine Asian exceptionalism is an ambitious call for action. The narrative about Haiti in American media is very negative and disturbing. For us Haitian and the diaspora, what are some steps, actions we can take to help reframe Haitian exceptionalism? What are some steps we can take in the diaspora to reframe Haitian exceptionalism? Yeah, that's a very, very... Est-ce que vous entendez? Oui. Je voulais ajouter sur question ça et puis avant de finir tout me connait pral fini et m'a dit c'est gardi de trip fourmi info et m'te voulais tout mander tout peut-être ou ka et répondre de question ça ensemble et m'te voulais retourner sur et commentaire dame qui enseignait Berkeley là qui parlait de exceptionnalisme positive versus negative. Et on est dans la culture haïtienne. Et nous avons un pile proverbe, et comme si m'tadou, qui parlait de résilience haïtienne. Et par exemple, et on est dans une parole tout qui dit et façon comporter, c'est façon accepter. Par exemple, dans la communauté internationale, là, ce qu'on peut penser, c'est vieille image nous toujours projeté qui fait que les étrangers ou bien yon organisme international a fait mon projet pour Haïti, yon toujours parlé Haïti et comme un pays qui est exceptionnel, comme un pays qui, comme si m'dadou, qui est pauvre et que bagay qui applicable dans l'autre pays pas qu'à appliquer à Haïti. Est-ce que vous pensez que c'est imaginable van yo et qui fait ça arriver? Donc oui, donc et des questions ça yo yo gen rapport donc n'a répondu ensemble. Et Rose Laguerre mandé et qui type de action que haïtien dans diaspora était capable prendre pour yo capable et réimaginer thème ça ou bien pour yo capable bail l'exceptionnalisme haïtien en l'autre et façon bien penser de lui-même en l'autre façon. Donc on pense une première action yo Jean Dia et Jean Gadi c'est que nous ta supposé gens que nous-mêmes nous représenter Haïti c'est comme ça que l'autre monde a pour Haïti. Donc une première bagaille c'est façon que nous représenter Haïti et deuxième bagaille là c'est que pour nous t'apprendre appel tout yo au sérieux ça veut dire même monde qui écrit sur Haïti yo t'a essayé changer narratif là pour t'a essayé changer façon ça que yo parler de Haïti comme un côté comme si et rien pas marché ou bien un côté qui tellement particulier que toute l'autre bagaille qui a marché très bien l'autre côté là mais en Haïti bagaille ça même pas marché parce que une première étape yo c'est pour nous capable reconnaître et que idée ça des fois li pas toujours bon pour Haïti li fait plus tort que il fait du bien et puis tout pour nous changer que façon nous parler ou bien façon que nous penser de Haïti ça moi c'est que étape ça yo très important et pour jeunes qui dans diaspora tout pour commencer repenser Haïti non façon qui positif comme on t'a dit en pile fois ça que ou penser ou projeter donc c'est lui même qui a tourné vienne joindre donc moi c'est ça c'est une pigou étape que nous capable faire par exemple sous question que Haïti c'est un pays qui résilient nous voyons que Jean Clitand lui même l'était décortiquer idée ça que Haïti c'est un pays qui résilient
les n'a pas dit ça qui ça nous voulait dire en général que Haïti son pays qui résilient. Est-ce que ça voulait dire que nous plus qu'à souffrir que l'autre nation? Est-ce que nous obligés à accepter condition que nous y là sous prétexte que nous c'est une nation qui résilient? Donc moi c'est que bon travail qui pour faire en termes de conscience pour nous conscientiser vraiment pour nous comprendre plus bien non seulement rôle nous comme haïtiens ou bien histoire nous ou bien qui ça nous représenter mais aussi bon travail qui pour faire dans gens que nous vend Haïti dans gens que nous représenter Haïti. OK, nous voulons dire Trifoumi merci de ce que l'été sponsorisé à Toxa. Nous voulons dire un grand merci avec docteur Boaz Anglade qui t'a fait préparer bel sujet ça, invité nous pour nous capable penser critiquement de l'avenir pays hein, des situations que nous y est hein. Et puis il est très important pour nous capable comprendre ça docteur Anglade dit hein, façon que Haïti exceptionnel, ça veut dire Haïti a une vocation humaniste, Haïti c'est défendre de la liberté et Haïti a un manifeste destiné. Et nous dit audience nous yo merci pour réaction yo et pour dialogue ça. Je souhaite nous toutes passer une bonne journée et encore docteur Anglade merci en pile. Merci à tout le monde qui t'a suivi nous, merci à Trifoumi et merci à tout le monde qui t'a suivi nous sur Facebook et monde qui était sur Zoom ensemble avec nous, tout le monde qui t'a posé question yo. Et merci à tous, merci docteur Joseph et à la prochaine. Merci.